Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caverne VFX pour un nouveau tutoriel sur ZBrush. Aujourd'hui, on s'attaque à la conception de nos pierres pour le chemin de la maison de Hobbit et on va également sculpter donc quelques pierres pour habiller un petit peu notre décor pour ensuite pouvoir les placer sur Unreal et du coup de façon un petit peu aléatoire pour donner un peu plus de vie, un peu plus de relief à notre terrain. Donc on se retrouve tout de suite sur ZBrush. Pour ceux qui n'ont pas donc le fichier de démarrage, je vous invite à le télécharger directement en description de vidéo pour l'avoir hein, et du coup vous aurez donc directement voilà la même interface que moi si vous le souhaitez bien sûr. Donc là on va commencer sur ZBrush par créer donc une nouvelle scène neutre. Donc on va masquer donc la lightbox et on va ici donc dans les paramètres de tool ramener un cube 3D. Le cube 3D on va donc le dessiner en cliquant sur l'écran et du coup en faisant un shift pour le maintenir en position horizontale, d'accord? Et on va cliquer sur le mode edit pour passer en édition de mesh. On va convertir ce mesh en polymesh 3D pour pouvoir le sculpter. Et là, je vais appuyer sur W et on va commencer à lui donner donc la bonne densité. Donc là, on va former déjà les blocs du sol en fait hein, pour notre chemin et du coup essayer de créer donc une diversité de blocs en fait pour habiller un petit peu notre chemin de façon aléatoire. Donc ça sera uniquement le chemin qui mène à la maison, d'accord? Donc la route, on l'a déjà, d'accord? Donc ça, on l'a déjà texturé. Mais par contre, là, il faut qu'on donne un petit peu plus de relief à la maison avec des blocs de pierre pour créer un petit chemin de pierre qui mène jusqu'à l'entrée de la porte. Donc pour ce faire, on va ici donc minimiser donc ce cube en le scale. Donc vous appuyez sur W pour ramener donc le gizmo donc de déplacement. Hein, et du coup, vous appuyez sur le petit carré donc vert ici pour structurer un petit peu donc le cube et l'affaisser sur l'axe Y. Donc voilà, ce qui nous permet d'avoir donc un cube comme ceci, affaissé, et du coup notre première structure de dalle. Ensuite ici, on va minimiser donc cette structure-là sur Z un tout petit peu, voilà, pour le tronquer. Et là, ça me paraît pas mal comme forme hein, pour commencer. Ouais. Voilà, là c'est nickel. Donc pour analyser la topologie de ce mesh, du coup, nous allons cliquer ici sur Polyframe sur la droite. Et là, on peut voir que du coup, bah, ce mesh, en fait, quand il est créé, il crée une espèce de structure en triangle. D'accord? Donc chose qui n'est pas bonne du tout, hein, parce que du coup, c'est pas une bonne géométrie pour sculpter. Donc on va déjà le faire en remesh. Donc on va mettre ici un nombre de cibles à 0,1, donc 100 polygones pour recalculer cette structure. Et on va appuyer sur Z Remesher pour le recalculer correctement. Donc là, il va recalculer la topologie de mon mesh, vous voyez. Voilà, nickel. Donc ça me donne un petit peu de déstructuration au niveau des bordures, donc c'est parfait. Et là, je peux commencer à sculpter ma roche. Donc pour sculpter cette roche, on va partir donc de ce mesh-là basique. On va d'abord lui donner donc la forme avec un move, et on va donner un petit peu donc la forme à notre roche. Donc on désactive la symétrie, hein, très important. Et du coup, on va commencer à structurer un petit peu donc les pierres. Voilà, donc leur donner un côté un peu plus arrondi, un peu plus sympa. Et un peu plus des formes. Donc là, il n'y a pas de règles, hein. Vraiment, vous donnez la structure des pierres que vous voulez, c'est vraiment libre à vous, quoi. Voilà, à peu près comme ceci. Ok, donc là, c'est pas mal, hein. Voilà, donc bien garder la surface, en fait, ici, le plus plat possible. Même si vous la déformez un petit peu, c'est pas très grave, parce qu'après, on pourra donc l'enfoncer dans le sol pour que bah, les pierres soient vraiment dans le sol. Et du coup, voilà, donc il n'y a pas trop de règles par rapport à ça, comme je vous dis. Vous pouvez même faire un cube comme ça. Vraiment étirer sur le bas, c'est pas très gênant quoi, d'accord? Mais le but c'est vraiment de créer une jolie forme pour vos roches. Voilà, comme ceci. Donc là c'est pas mal. Maintenant qu'on a cette forme-là, donc de base, on va la recalculer encore une fois, donc à 0,1, avec cette fois-ci donc 85% d'adaptative, d'accord? Pour recalculer mon mesh de base. Voilà. Et là, on peut subdiviser maintenant cette roche. Donc pour subdiviser une roche, on va faire CTRL D pour la subdiviser, ce qui me permet donc d'augmenter donc le nombre de polygones par 2. Et là, on peut commencer à adoucir un petit peu les coins pour les restructurer. Donc avec Shift-Click hein, pour activer donc l'outil d'adoucissement, on va arrondir les bordures un peu trop brutes, hein, un peu trop marquées, pour voilà, pour juste embellir un petit peu cette roche. Ah, donc là, c'est parfait. Maintenant que j'ai cette structure-là, on va faire un CTRL D encore une fois pour ramener un nouveau niveau de subdivision. Et là, on va commencer à donner du détail. Donc avec le clay build, je vais commencer à donner un petit peu de cassure au niveau de la roche. Vous voyez, en fait, donc de vraiment structurer un petit peu cette roche. Donc on passe avec le clay build un petit peu partout et on lisse en même temps hein, pour restructurer un petit peu la forme. Et là, c'est juste pour donner du dénivelé et du coup casser un petit peu ce côté trop lisse, trop parfait de cette pierre. Donc là voilà, on donne un peu de structure. Voilà, on casse un peu les coins. Hop, voilà. Et le but c'est vraiment de craqueler un petit peu cette zone. Vraiment de donner quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Hop, là c'est parfait.
Voilà. Ah, c'est juste pour donner un petit peu de nuance, un peu de dénivelé. Hein. Donc là, c'est pas mal. On va refaire un contrôle D pour subdiviser encore une fois. Donc là, on va relisser donc, les zones qu'on a données. Hein, très légèrement, vraiment très doux. Juste pour lisser un petit peu la géométrie et l'adoucir. Voilà. Et là, on va activer un alpha. Donc les alphas présents sur ZBrush sont nombreux. Hein, d'accord? Donc voilà, moi j'en ai rajouté quelques-uns que je ne peux pas vous fournir malheureusement parce que du coup ils ne sont pas gratuits. Mais par contre vous en avez déjà quelques-uns qui vous permettront de faire vos roches. Donc ici je pense que celui-ci, donc l'alpha qui est par là je crois, donc l'alpha 23, nous permettra voilà, donc de casser un petit peu la géométrie, vous voyez, de donner un peu plus de relief, un peu de roche, un peu de pierre. Ça peut être sympa. Ou sinon... On a d'autres alphas également qui sont disponibles. Donc là, voilà le sel. Celui-ci est vraiment pas mal. Ça permet voilà, de créer vraiment des petites craquelures, un peu des petites roches. Un peu sympa. Donc ça peut être cool. On peut activer également donc, un autre alpha qui va nous permettre donc, de casser un petit peu plus la géométrie comme ceci. Voilà, donc de donner un peu de relief. Voilà, ça peut être cool aussi. À voir, mais moi personnellement j'aime bien en fait donc sculpter vraiment mes reliefs en fait hein, et pas forcément utiliser d'alpha. Donc je vais désactiver les alphas pour l'instant. On va activer donc le dame standard qui nous permet donc de faire des traits et là on va commencer à prononcer certaines bordures en fait hein, avec le dame standard, donc vraiment avec une taille un petit peu plus fine. Voilà, et on va commencer à casser un petit peu la roche pour lui donner un petit peu de structure et un peu de relief. D'accord, donc là vous cassez la roche vraiment donc. Avec une taille de brosse un petit peu plus petite, hein, voilà. Vraiment pour casser la structure. Hop, voilà, comme ceci. Voilà, on casse un peu la structure. Et là, je vais subdiviser encore une fois, donc CTRL D. On va faire un pinch pour pincher les structures et du coup les ramener les unes vers les autres. Vous voyez, pour prononcer un petit peu les craquelures qu'on a faites. Voilà, comme ceci. Okay. Ensuite, on va donc donner des patterns un petit peu différents. Donc là, je pense que je continue avec le dame standard, en plus fin par contre. Et on va essayer donc de casser un petit peu la structure ici. Voilà. Donc là, on va faire une autre possible roche ici, comme ça, qui va partir donc là. Là, pareil. Hop. Là, pareil. On va casser la structure ici. Là aussi, hein, on casse un peu le coin, vous voyez. Hein, on... Voilà. Et là, comme ça. Voilà, là c'est parfait. On resubdivise encore une fois dans CTRL D. Et là, avec un pinch, encore une fois, on vient prononcer la géométrie et la rapprocher les unes des autres. Voilà, comme ceci. Pour prononcer un petit peu ces craquelures. Et du coup, créer un peu de relief un peu sympa, quoi. Voilà, là c'est pas mal. Ok. Ensuite, on peut rajouter effectivement un petit peu de détail avec l'alpha. Hein, d'accord? Donc là, pour l'alpha, n'hésitez pas à monter le niveau de subdivision pour avoir vraiment un beau détail. Mais là, le but, c'est vraiment de déformer un petit peu la géométrie. Donc je vais utiliser peut-être un alpha comme ça. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, essayer de casser un petit peu ça. Sauf qu'avec un alpha beaucoup plus grand. Donc là, c'est un peu trop grand. Hop. Voilà, juste pour donner un peu de relief, un peu de dénivelé. Ça peut être sympa. Voilà, comme ceci. Ouais, là c'est pas mal. Ok. Voilà, donc je vais activer donc un matcap gris, voilà, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. Donc là, c'est pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal. Et là, on peut faire donc un CTRL D et du coup sculpter avec le clay build pour donner un petit peu de relief, un petit peu de densité au niveau de la clay, vous voyez? Voilà, donc juste vraiment créer des petites zones un petit peu variantes au niveau de la roche. Voilà. Des petites zones de relief en fait, hein, vraiment très simple.
Donc là, c'est vraiment libre à vous, hein, parce que là, il n'y a pas forcément de règles. La sculpture est quelque chose de très libre. Donc il n'y a pas d'imposition de mesures, de choses comme ça. C'est vraiment libre à vous de faire les roches que vous voulez, quoi. Voilà. Là, on va pincher un petit peu ces zones-là, donc du coup, pour les préciser en termes de relief. Voilà. Ah, donc là, c'est pas mal, hein. Voilà. On a créé notre première dalle. Donc là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est que maintenant qu'on en a une, je vais vous montrer, en fait, comment faire. Donc, bah, les autres variantes, en fait, c'est la même chose, hein. Vous faites plusieurs variantes. Mais du coup, on va faire une deuxième variante. Donc, pour ce faire, je vais faire un contrôle ici. Donc, non, on va faire une duplication directement. Donc, je vais faire ici, donc, duplication. D'accord? Donc, je duplique mon mesh. W pour le déplacer. Ici, et là on va juste bouger avec le move topologie pour donner donc une forme différente, d'accord? Donc vraiment pour donner une structure un petit peu aléatoire à cette roche. Voilà. Hop. Et du coup la casser un petit peu, voilà, ouais, la déstructurer, hein. Vraiment la déstructurer pour créer une variante un petit peu différente. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là c'est pas mal. Et après, vous pouvez revenir donc, sur les niveaux inférieurs donc, pour lisser un petit peu donc, le détail. Voilà. Et après, recommencer vos étapes donc, au niveau supérieur pour justement bah, prononcer un petit peu le détail que vous allez sculpter. D'accord? Donc là, on recommence hein, avec le clay. Voilà, on casse un peu la géométrie. Hop. On prend le pinch. On va pincher la structure un petit peu. Voilà. Là, on crée donc voilà des roches vraiment différentes. Hein. Des petites dalles, des petites structures. Et là, hop. Voilà, là, c'est pas mal. Ok? Donc ça c'est la première méthode. Donc maintenant la deuxième méthode en fait que je vais vous montrer pour créer vos roches en fait. Hein, donc là c'est vraiment pour créer des roches personnelles, d'accord? Donc vraiment que vous sculptez vous à la main. Il y a une autre méthode que j'apprécie moins parce que du coup bah, elle est moins personnelle, mais qui marche tout aussi bien. C'est d'appliquer une texture de déplacement. Donc là je vous montre en fait donc c'est qu'on va créer donc un nouveau cube, donc ajouter cube 3D, d'accord? Donc ce cube 3D je le prends, on va le convertir en polymesh 3D, donc seul. Hein. Du coup, vous retrouvez vos roches ici, hein, d'accord, vous inquiétez pas, mais là, ça vous crée une instance seule. Voilà. Et là, en fait, donc ce mesh-là, on va le réduire encore une fois à la taille qu'on souhaite. Voilà, comme ceci. On va recalculer la topologie, donc directement. D'abord, je vais le réduire un peu. Voilà. On recalcule la topologie, donc à 0,1 à 50%. Ça recalcule ma géométrie. On va le subdiviser donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, on va importer une texture de déplacement. D'accord? Donc là, dans le pack que je vous ai mis à disposition, vous avez une texture de déplacement pour la roche. D'accord? Donc on va s'en servir pour sculpter notre mèche. D'accord? Donc pour ce faire, on va ici donc dans géométrie. Et là, vous avez donc normalement le calcul en fait des polygones. Vous l'avez ici en bas si vous avez mon interface. Hein. Donc là, on est à 112 000 sur ce mèche. Donc c'est largement suffisant pour le déplacement. Donc là, on va ici maintenant dans les textures, texture de déplacement. Sauf que là, pour mettre une texture, il faut d'abord déplier son mèche sur les UV. Donc comment on fait pour déplier les UV sur ZBrush? Bah, tout simplement en allant ici donc, dans Z-Plugin, on va dans UV Master, et là, UV Master nous permet de déballer, donc de déplier notre mesh. Est-ce que je le veux en symétrie? Non, je ne veux pas de symétrie. Est-ce que j'ai des polygroupes? Non plus. Donc je veux déballer ce mesh. Je clique sur déballer. Donc là, il me dit, attention, cette fonction indique que tu dois être au niveau de subdivision le plus bas. Ok, pas de problème. Donc je reviens sur mon niveau inférieur, donc le plus bas. Voilà, jusqu'à ce que l'icône soit grisée. Je reclique sur Z-Plugin et je relance le déballage UV. Mon mesh est déplié, je repasse sur le niveau supérieur, donc je remonte, hop, et là, je vais dans texture de déplacement. Vous voyez que maintenant, c'est plus grisé, maintenant, il est affiché. Maintenant, je peux importer une texture de déplacement, donc je clique sur ce petit onglet, je vais dans importer, et là, dans mon dossier de travail, donc je vais vous montrer ça tout de suite, hop, parce que du coup, ça me met sur mon écran principal,
On peut aller chercher notre maison, j'allais dire, mais non, notre texture de déplacement, et du coup, dans notre dossier de ressources. Donc là, j'ai ici donc roche, voilà. Donc à vous d'analyser un petit peu. Hein. Donc celle-là, elle est pas mal hein, comme déplacement en roche, c'est vraiment cool. Du coup, on va utiliser donc la déplacement en JPEG, parce que le XR, elle n'est pas pris en compte. Donc on va prendre la JPEG. On prend la JPEG, ça nous l'importe, d'accord? Donc on l'a ici. Et maintenant, ce qu'on retourne sur ZBrush, on la voit qui est affichée en haut à droite. D'accord? Donc là, elle est validée. Maintenant, si je veux augmenter l'intensité du déplacement, je peux bouger ici donc cette valeur, d'accord, pour booster mon déplacement, vous voyez? Et là, quand je clique sur appliquer le déplacement, bah, ça va me booster ma pierre. Voilà. Donc du coup, on utilise un réel déplacement pour réellement déplacer notre géométrie. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Hein. Je veux le... Enfin, si, je veux ça, mais pas autant. Donc on va réduire un petit peu l'intensité. Et on va, voilà, jouer tout doucement avec le paramètre de déplacement. Donc là, c'est pas mal, on peut augmenter un petit peu encore. Très léger. Voilà, là c'est parfait, vous voyez? Et là, ça m'a créé une dalle en quelques minutes que après je peux bouger encore une fois. Voilà, et je peux resculpter par-dessus. Au moins j'ai une bonne base et puis du coup, ça me permet d'avoir une dalle un petit peu custom mais avec une texture de déplacement comme base. Pourquoi pas? OK? Donc libre à vous de vraiment faire comme vous voulez. Voilà, donc là j'ai créé donc trois sets de pierres différents, donc ça me suffit amplement hein, pour le texturing. Après on va leur donner un petit peu d'aléatoire en termes de texture et en termes de placement, d'accord? Mais là ça me paraît pas trop mal. Je vais en faire une toute petite dernière pour en avoir quatre, comme ça fait un nombre pair. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de raison valable. Donc là, je duplique ma roche hein, ici. Hein, voyons, on la décale sur X. Et celle-ci, par contre, j'ai envie donc de lui donner bah déjà une forme différente. Hein, on va déplacer un petit peu la forme. Voilà, comme ceci. Et je vais réappliquer un déplacement derrière. Donc là, on retourne en texture de déplacement. Je vais prendre donc du coup. Donc là, déplacement activé. Donc là, en sachant que ce déplacement-là, du coup, je ne peux pas le refaire. Ouais, donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. À la limite, on va utiliser donc l'alpha pour sculpter du détail. Parce que ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va subdiviser donc encore une fois, cette pierre, hein, du coup, pour lui donner encore plus de relief. Et ici, dans les alphas, je peux normalement récupérer ma texture de déplacement, en fait, hein, comme alpha. Donc là, on va ici donc importer. Hop, excusez-moi. Importer dans les alphas. Hein. Voilà, je reclique sur ma texture de déplacement. Ça m'ouvre directement le dossier. Hein, donc là, je ne vous le remontre pas parce que voilà, on l'a déjà. Ça m'applique normalement ma texture de déplacement. Et là, on l'a ici. Vous voyez? Maintenant, je peux activer mon dame standard. Et là, quand je vais sculpter, bah, vous voyez, ça va me sculpter mon relief. Donc là, on peut augmenter la brosse de façon assez conséquente et sculpter un petit peu de structure, voilà, sur la roche, casser un peu cette géométrie, lui donner un peu de relief. Voilà, pourquoi pas. Alors, donc là, c'est un peu trop fort, hein, je pense. Donc là, si je veux voir mon détail, on active le drag, en fait, hein, sur l'alpha. Et là, quand je vais draguer, vous voyez, ça me permet de contrôler ma texture et du coup de la placer où je veux, quoi. Donc là, on va faire comme ça. Voilà. Je vais faire un petit coup de pinch. Voilà. Et puis du coup, là, ça me permet d'avoir, vous voyez, une roche custom, mais avec un déplacement de base et un alpha qu'on a créé depuis notre déplacement. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Un petit peu de craquelement un petit peu partout. Autant. Voilà, un petit coup de pinch. Voilà. Là, c'est pas mal. Ok. Voilà, ça m'a permis de créer donc quatre roches un petit peu différentes, un peu stylisées. Voilà, c'est des roches cassées qu'on a placées sur le sol pour créer notre chemin. Pourquoi pas? Ok. Donc ensuite, il y a juste la forme de celle-ci qui me plaît pas du tout, la première. Donc je vais essayer dans Subtool. Voilà. Et on va juste la déplacer un tout petit peu avec le Move Topology pour la casser un peu, cette structure. Voilà. La fesser un peu et lui donner une structure un peu plus de pierre un peu cassée. Voilà, comme ça. Là, c'est parfait. OK, donc là, j'ai mes quatre roches. Donc maintenant, quelles sont les étapes pour pouvoir garder ces roches en low poly? Parce que je ne peux pas les importer dans l'état. Hein. Dans l'état actuel, on a quand même plus d'un million de polygones. Actuellement, on en a 9 millions, vous voyez, en tout. Donc c'est énorme. Donc on ne peut pas garder ça. Donc pour avoir
le même résultat et du coup la même texture et la même chose sur un mesh low poly, il faut le précalculer. Donc pour précalculer un mesh, c'est très simple. On va commencer par le premier. On va le dupliquer en fait, hein, ce mesh, donc le premier, et on va cacher les autres. Donc pour cacher tous les autres, on appuie sur Ctrl-Shift-Clic sur les yeux, d'accord? Et on n'affiche que le premier et le deuxième, d'accord? Donc le premier, c'est l'instance qu'on veut garder le détail, et le mesh low poly, ok? Cette pierre-là, je vais la renommer en pierre 01 high poly, d'accord? Donc renommée, on va mettre donc pierre tiret. Hop. Je regarde un peu ce que je tape. 01, tiret bas, et high poly, on va mettre HP. D'accord? HP, high poly. S'il veut bien me mettre le high poly. HP. Je suis désolé, parce que du coup, mon clavier est derrière ma tablette, donc c'est vraiment pas pratique pour taper. High poly. L'autre va être le low poly. Donc pour le low poly, comment on va faire pour calculer le low poly? Bah, du coup, je cache donc le high poly. Là, j'ai censé low poly, hein, pour l'instant il n'est pas low poly, et là je vais le recalculer avec le remesh, tout simplement. Donc je vais mettre un nombre de faces à 0,1, ce qui me paraît pas mal, 85 en taille adaptative, et on va faire un Z-remesher. Ça va me calculer donc tout mon mesh, donc ça va détruire complètement le détail, certes, mais ça va conserver le volume, d'accord? Donc ça va garder ma forme de roche. Donc là ça le recalcule tranquillement, et au lieu d'avoir donc du coup un mesh avec 1 million de faces, supposons, j'en aurai un vraiment très réduit. Et ensuite, sur substance, donc demain, on fera donc le précalcul de l'un vers l'autre. Comme ça me permettra de garder mes pierres propres. Ok? Donc ça, je vais vous montrer. Donc on va faire ces étapes-là sur les quatre pierres. Hein. C'est pour ça que j'en fais pas plus. N'hésitez pas à en faire plus pour avoir plus de variantes. Mais en sachant que les variantes, on va pouvoir les créer sur Blender directement. Donc du coup, ça sert pas à grand-chose, quoi. Le but, c'est d'avoir des structures un petit peu différentes pour jouer avec par la suite. Donc là, ça recalcule tranquillement, hein, donc ça prend un peu de temps pour le recalcul, mais c'est normal parce que du coup, là, vous voyez, il va passer donc de quasiment, je pense qu'on a 2 millions sur celle-ci, 2 millions de vertex à quasiment une centaine, voire un petit peu plus, en fonction du détail que je souhaite garder, mais voilà, à peu près 1000 vertex sur cette structure, hein. Ce qui est beaucoup trop, hein, d'ailleurs, après, on va le recalculer encore, vous allez voir, mais il faut vraiment le réduire au minimum. Pour conserver donc le volume, et après on va précalculer la différence entre les deux pour justement garder le détail. Voilà, donc là c'est la recalcule, hop, et c'est bientôt fini hein, du coup. Voilà, et là j'ai ma pierre, donc vraiment low poly, d'accord? Donc du coup la géométrie n'est pas très très jolie, mais c'est pas grave, c'est pour un mesh donc vraiment au sol, donc ce n'est pas très grave en termes de topologie, d'accord? Donc si je regarde ici la topologie, c'est vraiment pas très joli, mais ça m'a conservé mes zones de volume, donc ça c'est parfait. Donc je laisse mon mesh low poly comme ça, je vais le renommer, d'accord? Donc renommer pierre 01 low poly, donc LP, pierre 01, hop, si j'arrive à écrire correctement, pierre tiret bas 01 tiret LP. Voilà, low poly. OK? Et là, j'ai mes deux pierres. Donc là, j'ai ma pierre high poly et ma pierre low poly. Maintenant, on va faire la même chose sur la pierre 02. Donc, je décoche l'autre. Hein. On sélectionne la pierre 02. Je la renomme. Donc, pierre-02. Hop. C'est vraiment pas une bonne config hein, que j'ai là actuellement avec la tablette et le clavier derrière, mais bon. Pierre 02, donc low poly. Donc ça, c'est le high poly. HP. Hop, voilà. Je duplique cette pierre donc en dessous, d'accord? Et la deuxième pierre, donc je la sélectionne et je vais la recalculer pareil, donc avec 0,1, 85%, et je la recalcule. Ah, donc ma pierre est recalculée, donc c'est parfait. Donc celle-ci, je vais la renommer donc low poly, donc LP. Voilà, et je valide. On passe à la troisième. Donc pareil, je sélectionne ma troisième pierre. Voilà, qui est ici. Hein. Donc je la sélectionne. Je la renomme. Pierre-03 HP. Donc pourquoi les renommer en fait? Parce qu'après, c'est pour pouvoir les retrouver facilement. Hein, d'accord? C'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, pierre high poly. Donc là, elle est où? Elle est ici. Hop, voilà. Donc je la duplique. Je recalcule donc la deuxième instance, d'accord? Donc je la sélectionne ici,
et je la recalcule, elle, avec le Z-remesher, donc à 0,185% d'adaptative. Hop, voilà, et on recalcule cette pierre. Voilà, ma pierre est recalculée, donc on va la renommer donc, tout de suite pierre Lopoli, donc pierre 0,3 LP. Voilà, et là on passe donc à la pierre 0,4, donc on la sélectionne, voilà, je la duplique. Avant la duplication, je vais peut-être la renommer, hein, d'accord? Donc là, on va la renommer, ça m'évite de retaper à chaque fois. Hop, donc pierre 0,4 iPoly. Voilà, on la duplique. Je peux la renommer tout de suite, hein, comme ça sera fait. Et là, ça va être LP, low poly. Voilà, donc je recalcule cette pierre-là, Z-remesh. Voilà, même pierre renommée. Et là, c'est parfait. Donc maintenant qu'on a nos quatre pierres, en fait, hein, donc différentes, on va pouvoir donc créer justement nos UV sur les pierres low poly, d'accord? Donc pas sur les high, hein, d'accord? Donc les high ne servent à rien. Vous sélectionnez uniquement les low poly. Donc on va décocher donc les HP. Voilà, donc on décoche les HP, donc les high poly. Et on laisse uniquement les low poly. Je vais commencer par la première, donc la low poly, donc 0,1. Donc je la sélectionne, hein, il faut qu'elle soit en brillance un petit peu plus claire, d'accord? Et là, je vais dans Z-Plugin et on va créer un UV Master. Donc ici, hein, avec UV Master, on va créer donc un dépliage UV automatique. Donc je clique sur Déballer et là, ça me déballe ma pierre. Parfait. Je clique sur la deuxième, donc la deuxième low poly. Hop, elle est activée. Z-Plugin, Déballer. Parfait. Je passe à la troisième. Z-Plugin. Déballer. Voilà. Et la quatrième, en low poly, hein, toujours. Je la sélectionne. Elle est en brillance. Z-Plugin. Déballer. Là, j'ai créé mes cartes UV pour mes quatre pierres. Maintenant, on sélectionne donc, le modèle high poly. On fait un Ctrl-Shift-Click pour cacher donc, tous les yeux. On n'active que le mesh high poly 0.1. Et là, je vais donc dans Z-Plugin. Exporter en FBX, d'accord? Donc FBX export. Là, il me dit sélectionner ou tout. Moi, je veux uniquement l'onglet sélectionné, d'accord? Donc la roche sélectionnée. En FBX 2020, parfait. Le lissage est normal, oui. Et là, je peux exporter mon mesh. Donc on clique sur export. Et là, il va me proposer donc d'ouvrir, enfin d'exporter mon mesh en FBX. Donc là, ce qu'on va faire, donc je vous montre ça. Hop. Voilà, donc ça m'a ouvert donc une nouvelle fenêtre en fait. Hein. Donc nous, on va ici, donc dans notre dossier. Cette brush, on va dans le dossier donc export, et là on va créer donc un dossier pierre. Voilà, pierre, on les sélectionne, et là ça va être la pierre 01 et poly. Elle est déjà renommée, donc pas besoin de la renommer. On enregistre, je continue ma manip, donc maintenant je repasse sur cette brush, on va exporter maintenant le low poly. Donc je sélectionne mon low poly. Je sélectionne ma pierre low poly, donc je cache l'autre, hein, d'accord, donc avec le petit œil, j'affiche uniquement mon low poly, et je retourne dans Z-Plugin, FBX export, hein, donc directement ici, sélectionné, et j'exporte ma pierre 01 low poly. On enregistre, je passe maintenant à la deuxième, donc j'affiche ma deuxième pierre, je la sélectionne uniquement elle, Z-Plugin, FBX export, export, ma pierre 02 high poly, voilà, j'attends qu'il exporte, hein. Voilà, on prend maintenant la low poly, hop, FBX export, encore une fois, on exporte la low poly. On passe sur la 0,3. Voilà. Donc là, pareil, hein, export. Voilà. Et dans votre dossier, vous devez avoir donc, toutes les pierres, en fait. Hein, donc les 8 pierres, du coup. Donc les 4 modèles low poly et les 4 modèles low poly. Et n'oubliez pas de déplier vos UV, hein, d'accord? Parce que si vous oubliez, bah, après, on ne pourra pas les texturer par la suite, quoi. Donc là, je passe à la suite. Hop, voilà. Donc là, je suis à la troisième low poly. Et pour finir, donc la quatrième. Hop. Voilà. Donc là, on est sur. Ouais, c'est bon. Hop. Donc celle-ci va prendre un peu plus de temps parce que je l'ai subdivisé pas mal normalement. Vous avez un petit message en fait hein, qui s'affiche quand l'export est terminé en fait, hein, parce que là vous voyez, voilà, Subtool Exported et là, tac, il me met un petit message qu'on voulait exporter. Donc bien faire attention à ça parce que parfois on croit que c'est exporté alors que non, quoi. D'accord?
Donc là, export, encore une fois. Et là, hop, pierre 04, le poli. Parfait. Et là, on a exporté mes pierres pour le chemin, d'accord? Donc, je pense qu'on refera une session pour les roches vraiment du terrain, d'accord? Donc, enfin, de l'extérieur du monde, pour faire quelques petites pierres, mais sur Blender, de façon procédurale. Je vais vous montrer comment faire. Mais sur ZBrush, en tout cas, voilà, c'était les dalles à faire dessus. Donc là, on va enregistrer notre dossier, en fait, donc directement dans Sculpture, si jamais on a besoin d'y revenir. Donc, dans Pierre, et je vais renommer ça, Pierre, directement sur ZBrush. Voilà, donc là, je vais sauvegarder mon projet, et je peux fermer mon projet ZBrush en toute tranquillité. Voilà, donc ça en était tout pour cette leçon. Demain on se retrouve sur Substance pour texturer nos pierres qu'on a donc créées aujourd'hui. Voilà, avec de la mousse, avec un peu de roche, etc. Faire des jolies textures, optimisées bien sûr. Et ensuite je vous montrerai donc les paramètres d'export pour avoir donc ces roches sur Blender, du coup, les importer sur Blender et déjà peaufiner notre chemin pour le placer correctement.